Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionnent les feux sur les Volkswagen Golf et Tiguan de l'auto-école dynamique à Nouméa. Alors, la petite commande que vous avez ici pour que vous la situiez, donc elle est en bas à gauche, sous l'aérateur gauche du tableau de bord. On a plusieurs positions, je vais essayer de bien vous les montrer. Donc, on a la position 0, on a une position dite automatique, ce qui fait que c'est en fonction de la luminosité extérieure que les feux s'allumeront. Pour allumer le feu de position, on tourne un cran, vous voyez que le petit voyant s'est allumé ici. Les feux de croisement vont s'allumer sans que le voyant s'allume ici, aucun témoin. Le fait d'être en feu de croisement vous permet d'actionner sur la commande clignotant les feux de route en poussant un cran vers l'avant ici. Vous voyez que ça s'allume en bleu sur le tableau de bord à ce niveau. Si je retire vers moi la commande, je vais les couper. Et si je tire simplement, ça fait un appel de feu. Je reviens sur ma commande. Ici, l'allumage des feux de brouillard maintenant. Alors si je dois tirer la commande vers moi, vous voyez, on a l'allumage du feu de brouillard avant qui est allumé sur la commande. Je tire encore un cran. Alors là, je n'ai pas d'allumage sur la commande. Je vais trouver un allumage au tableau de bord. C'est le voyant orange ici que vous voyez s'allumer et s'éteindre puisque j'ai réactionné la commande. Voilà. À noter qu'il faut être au minimum en feu de position pour pouvoir allumer ces feux-là. Je renfonce la commande, je la remets à 0. La petite commande supplémentaire ici, c'est celle qui vous permet de régler la hauteur des feux. À noter qu'on a un ou plusieurs véhicules où cette commande est absente. Cette commande est absente, cela veut dire que le réglage de hauteur des feux se fait de manière automatique. Voilà pour la petite vidéo sur les feux, les différents feux des Volkswagen. Au revoir.